la mine de sel de Varangéville et la dernière mine de France. Ensuite, c'est de cette mine que va partir l'essentiel du sel de déneigement que l'on va retrouver sur les routes du Grand Est. Nous allons suivre les pas de Didier Casanova, directeur de la mine, qui nous conduit du point de départ de la production de sel jusqu'au point final, c'est-à-dire le criblage et l'expédition du sel. Là, on descend ce qu'on appelle en isolé, c'est-à-dire qu'on est... C'est moi qui fais les signaux, c'est moi qui vous ai fait rentrer dans la cage, c'est moi qui ai donné l'ordre de mise en route de la cage. D'accord. Quand il y a plus de monde, on descend en rideau fermé. Oui. Hein, et c'est une personne à l'extérieur qui fait les signaux pour nous, qui nous met dans la cage. Donc là, c'est une descente de 160 mètres, à peu près en une minute. Hein, c'est ouais, ce qu'on petite minute, oui. Ouais. Là, on va être presque en bas. Très bien. Donc là, on arrive à la couche de production, enfin à la couche de... Ouais. De sel là, qu'on abat pour produire le sel pour déneiger les routes. Très bien. Dans la couche de sel, le cheminement du produit brut au produit fini est relativement simple. Il consiste dans un premier temps à faire exploser d'immenses cubes de sel. Ensuite, donc, le produit qui se retrouve donc, au sol va être conduit par étapes sur des convoyeurs jusqu'au criblage final où on va déterminer le produit fini. Voilà. Là on est dans la couche de sel, on va rester tout le temps dans la couche de sel. Oui. La couche de sel, elle est exploitée sur quelle surface ? Sur 4,50 m de haut. 4,50 m de haut ? Oui. Alors qu'elle fait environ 60 mètres de haut. Mais quand on dit 60 mètres, ce n'est pas 60 mètres de sel massif. C'est un empilement de couches de sel d'un total de 60 mètres avec des couches qui sont plus ou moins riches en sel. Et alors justement, est-ce que vous pouvez me décrire cette couche de sel ? Ici, la production est extrêmement ancienne. C'est-à-dire que la mine, elle est exploitée depuis 1853. Oui. Et donc, on exploite cette couche depuis 1853 et on est toujours dans le même horizon de sel. On n'a pas changé d'horizon. Alors, pourquoi ? Parce que à cet endroit, le sel, la teneur en sel est suffisamment élevée. Oui. 93% pour pouvoir être vendu sans enrichir le sel. C'est suffisamment épais pour que ce soit économiquement rentable. Hein. 4,50 m, ça va. Oui. Et le plafond, en minier, on appelle ça le toit, est suffisamment rigide de manière à ce que ça ne nécessite pas un soutènement important qui rendrait l'exploitation non économiquement rentable. Tout à fait. J'ai compris que en fait, le plafond s'appuyait sur des piliers de sel, voilà. Sur des piliers naturels. Voilà, vous les avez. Voilà, c'est ça. Donc, dans la méthode d'exploitation, sur la couche de 4,50 m, on ne prend en surface que 52% de la couche. Oui. Et 48% restants sont les piliers de sel. D'accord, c'est ça. Qui tiennent les terrains au-dessus de nous. C'est ça. Il n'y a pas de... Justement, c'est une production qui est assez sécurisée. Ah ben c'est une méthode où, justement, qui, par construction, tient les terrains et évite totalement les effondrements. Côté de la bande. On va faire le kilomètre. D'accord. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le sel arrive en différentes tailles du front de taille. En gros, c'est des blocs inférieurs à 400 mm. Oui, d'accord.
Et après, il est concassé, criblé pour obtenir des grains inférieurs à 5 mm. Alors justement, l'objectif, le sel de déneigement. C'est en gros, hein, inférieur à 5 mm. D'accord, très bien.